Petite vidéo du jour pour revenir avec vous sur le sujet dont je vous parle déjà depuis fort longtemps et que je vous ai invité à aller regarder sur la chaîne de Superflamme, sa vidéo dystopique soi-disant, de French Dystopie qui date du 21 mai 2021 me semble-t-il. Sur la mise en place réelle par les dirigeants occidentaux, tout à fait démocrates, d'une surveillance numérisée de tout le territoire. Les gens m'ont dit « jamais ça n'arrivera, pays des libertés, des droits de l'homme et du citoyen ». Là, dernièrement, pour les plus honnêtes d'entre vous, vous reconnaîtrez qu'avec les JO 2024 sur Paris, a été mis le projet en place de la vidéosurveillance pour des raisons sécuritaires, pour la venue de tous les pays du monde qui ne se reproduisent pas l'attaque des Anglais sur le Stade de France. Et donc, ils nous ont dit qu'ils mettaient les vidéos, la vidéosurveillance. Et nous avons eu également, bizarrement, les questions qui ont été posées à ceux qui mettent les caméras en place, et sur est-ce que ça resterait après, ou est-ce que c'était que pour les JO. Et là, vent debout, tout le monde a dit oui, mais non, en fait, c'est un investissement qui coûte beaucoup très cher aux citoyens, beaucoup d'argent, et donc il est logique que nous allons les laisser après. Et après, il y a quelque chose qui est arrivé en sous-main. Et là, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi vont passer pour des cons. En fait, il va se mettre en place la loi qui va permettre la mise en place de cette vidéosurveillance appelée par Pascal Praud, rappelez-vous, suite aux émeutes de juin dernier, hein, sur CNews, dont je vous avais déjà parlé de cette affaire d'ailleurs, et tout le monde m'avait dit « mais non, c'est un facho, d'une chaîne de facho, jamais ça passera, l'extrême droite, patati patata ». Et en fait, la loi va passer qu'ils vont mettre la surveillance vidéo partout en France. Ça y est. Et je rappelle que le vrai fascisme, les vrais antifascistes, combattant ce fascisme, ces fascistes, Monsieur De Gaulle, Churchill, pardon, à l'époque de De Gaulle, nous disait déjà après-guerre, les fascistes d'aujourd'hui s'appelleront antifascistes demain. Je rappelle que le vrai fascisme aujourd'hui est économique et il est produit pour tous ceux qui servent les Rothschild, les Rockefeller, les Bill Gates et consorts. Et tout le Davos, Klaus Schwab, le Bilderberg, Carlyle, BlackRock, Vanguard, etc., etc., etc. C'est eux qui mettent le vrai fascisme en place. Et ce fascisme-là, il est économique, il ne sera plus jamais politique. Je rappelle que le fascisme de Mussolini a été une tentative d'expérience, de gestion des masses en contemporainement parlant de l'époque, et qu'ils ont bien compris que ça n'a pas marché. Donc ils ne le referont jamais. Donc tous ceux qui appellent à ce fascisme-là, qui serait possiblement à être reproduit dans nos époques modernes, début du premier quart du XXIe siècle, sont juste des manipulateurs qui tentent de crédibiliser leur position en stigmatisant leurs opposants et en les affublant de quelque chose qui n'adviendra plus jamais. Le fascisme politique n'arrivera plus jamais dans le monde. Qu'on s'entende bien sur le sujet, ok? Donc ne tombez pas dans le piège de la stigmatisation ad fascorum, ad fascissum, des gauchistes demeurés et débiles, dogmatisés, n'ayant aucun argument et donc faisant de l'attaque sous la ceinture malhonnête avec des faux arguments. Il faut bien comprendre, la vidéosurveillance arrive partout. D'ailleurs, il vous en parle, lui. Écoutez bien. Philippe, nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques de Paris. Oui, c'est une vraie dope. Ça. Donc, si tu me branches là-dessus, t'es mal. Hein. Dans le cadre sécuritaire, l'utilisation des caméras à reconnaissance faciale a été annoncée. Ouais. Quels sont les risques, selon vous, que comporte ce type de... Ah, mais non, mais attends, c'est une arnaque de plus gouvernementale pour mieux nous contrôler. C'est-à-dire que ils ont sorti une loi en disant on met les caméras à reconnaissance faciale uniquement pour les Jeux Olympiques. Bon, pour des histoires de sécurité, de terrorisme, tu vois, je suis très large,
Je me dis, bon, dans l'enceinte des jeux, pourquoi pas? Tout de suite derrière, ils font une autre plan en disant, maintenant, après les Jeux Olympiques, on va l'étendre à toute la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à un système de crédit social comme aux États-Unis, ce qui existe déjà en France, hein, les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ça a été annoncé où? Dans un texte de loi qui est paru. Comme quoi, ils allaient étendre les caméras à reconnaissance faciale après les Jeux Olympiques. Actuellement, c'est que... C'est prévu villes. Que certaines villes. Il y a Nice, il y en a qui passent par-dessus la loi. Il y a une petite ville en Bourgogne qui s'appelle Briennon sur Lyon, je ne sais pas quoi, Briennon, etc., qui a déjà installé des caméras à reconnaissance faciale. Petite ville de 1000 habitants, hein, 2000 habitants. Briennon, c'est ça, dans Lyon. Mais bon, les mecs vont l'étendre de façon légale, mais les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. On te dit c'est pour la sécurité. Non? Non, je vais te donner un autre exemple par rapport à ça, où les gens devraient se méfier. Et ce que je dis encore une fois est factuel. On nous a installé des caméras de surveillance. Maintenant, toutes les villes ont leurs propres caméras de surveillance. Même moi, ma petite ville où j'habite à Guerchy, ils ont installé dans la grande rue 5 caméras, alors qu'il y a 600 habitants. Hein. 5 caméras vidéo pour surveiller les gens dans la grande rue et tout. Hein. J'ai un rapport de la gendarmerie, je l'ai mis dans le pouvoir du pire, qui stipule que 80%, et c'est pas moi qui dis, gendarmerie nationale, qui stipule que 80% des caméras de surveillance ne servent pas à garantir les personnes et les biens, parce que c'est pour ça qu'on les installe, c'est pour garantir les personnes et biens, mais à récupérer des amendes. C'est un bonheur. Et ils ont même été plus loin, parce que les caméras de vidéosurveillance, avant, quand tu surveillais les voitures, il fallait qu'une pervenche vienne pour mettre la contredanse sur ton pare-brise. Non, c'était trop compliqué pour eux, pour récupérer du pognon. Et Monsieur Valls, salut Manu, je te salue au passage, je t'appelle Dark Vador maintenant. Quand il était premier, ça a pondu une loi qui dit que maintenant, on peut mettre les amendes directement à partir de la caméra vidéo. Gendarme, 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage? Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. Ça, je confirme. J'ai reçu une petite enveloppe par la boîte aux lettres, tranquillement. Où j'ai reçu dans cette petite enveloppe un petit document me disant « Vous avez été pris par une caméra en infraction à tel endroit, donc vous êtes redevable d'une telle amende, patati patata. » Donc ce qui dit Monsieur Pascot, c'est la vérité, ça existe vraiment. Et si ça m'est arrivé à moi, ça a dû arriver déjà à bon nombre de gens. Mais c'est pire, parce que maintenant il y a des endroits, et ça commence, où tu reçois directement l'amende chez toi, et bientôt, et ça arrive dans certains endroits, elle sera directement prise sur ton compte en banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin demain, tu vas avoir 135 balles sur ton compte en banque qui part, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, et ben ça sera une amende pour ta voiture. On y arrive. Pour venir à la reconnaissance faciale, quels sont les risques justement? Les risques, c'est qu'on puisse plus circuler de façon libre. Le risque, c'est que si tu veux aller dans un endroit à un autre sans forcément être reconnu, sans savoir que tu y vas, et ben selon qui sera derrière la caméra, on saura où tu vas. Le risque, c'est que de soi-disant de passer des terrorismes aux opposants. Le risque, c'est de surveiller des journalistes qui font des enquêtes d'investigation, qui n'ont pas forcément le vice de savoir que, par exemple, quand tu vois, et moi, je suis bien placé pour le savoir, quand un informateur me donne un renseignement sur mes bouquins contre la corruption, j'ai pas envie que l'ensemble des flics savent que cet informateur me donne des informations. Et ben, la reconnaissance faciale, ça va permettre de reconnaître ces personnes-là s'ils me surveillent, moi. Et comme, en plus, ils peuvent stocker maintenant avec le numérique, etc., etc., ils auront même plus besoin d'être devant la caméra. Il suffirait qu'ils aient enregistré, etc., pour pouvoir me suivre quand ils veulent. C'est-à-dire que le soir à minuit, si un type de la DGSI ou de la DGSE, etc., ou payé par le gouvernement, ou une officine privée payée par je ne sais pas qui veut savoir ce que j'ai fait, eh ben, il suffira qu'ils consultent les caméras avec ma reconnaissance faciale, ils sauront exactement où j'ai été. Mais ils peuvent déjà le faire avec le téléphone. Ils peuvent déjà le faire, ils commencent déjà à le faire. Il y a une loi, je vous dis, qui vient de passer, qui dit que, par exemple, les tickets de métro papier, maintenant, c'est sur ta carte... sur ta carte Navigo, que tu peux acheter 84 euros, ou sur ton téléphone et smartphone. Mais ça veut dire quoi, ça? Les gens ne se rendent pas. Ah, mais parce que t'es un vieux dinosaure, toi. Hein, tu te rends pas compte, le progrès, etc. Ouais, ouais. Sauf qu'avant, quand je prenais un ticket de métro,
Je pouvais aller à la République et sortir le machin, personne ne savait. C'est moi qui décidais. Si je passe par ma carte smartphone, etc., on sait quand je suis entré au métro, où je suis sorti, quand je suis rentré, etc. Donc c'est vachement facile de me suivre quand tu es derrière l'informatique pour récupérer ce genre d'informations. Et qu'on ne me dise pas qu'ils ne le font pas. Hein. Alors, vous voyez, il est d'accord avec moi. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi, sur plateau télé, je crois me souvenir, devant Sonia Mabrouk, donc ça doit être Europe 1 ou CNews, ou le maire de Nice, numéro 2 du parti Horizon, de l'Alopecic, anciennement le Panda, promis à la gouvernance française, avec plus un poil sur le caillou, Édouard Philippe. Le fameux maire de Nice, donc Christian Estrosi, qui a encensé la chloroquine fut un temps, et qui maintenant la stigmatise, comme il faut. Il appelait à la reconnaissance faciale avec les caméras qui vont être mises partout. Je vous le mets, tenez. Ce que je regrette, c'est que là où nous avons un temps d'avance, et je me réjouis que Madame Elisabeth Borne aujourd'hui s'inspire de l'exemple de Nice pour dire mais ce qui se fait à Nice, il faut généraliser dans toutes les écoles. Peut-être que ça aurait pu être utile dans ce lycée d'Arras contre ce pauvre professeur Bernard, mais qu'on nous refuse encore à cause de la CNIL, de pouvoir avoir sur nos caméras de télésurveillance qui sont raccordées à ces boutons d'alarme, la reconnaissance faciale. Parce que si nous avions la reconnaissance faciale, tous ceux qui sont fichés comme extrêmement dangereux, fichés S, donc radicalisés, etc. Une lutte oui, cette espèce d'institution poussiéreuse qui s'appuie encore sur certaines libertés sur, aussi. Oui, enfin, des libertés qui s'appuient sur une loi de 78 qui s'appelle... informatique et liberté. Vous vous rendez compte, 78, les portables n'existaient même pas aujourd'hui. Vous prenez votre téléphone, vous ne faites pas de la reconnaissance faciale pour parler à M. Xi Jinping ou à M. Joe Biden, selon le modèle que vous avez, et qu'il puisse vous suivre en direct. Et on ne veut pas protéger 99,99% des Français qui, eux, ne sont pas fichés, donc ne peuvent pas faire l'objet d'une reconnaissance faciale si on ne met pas leur fiche dans le logiciel. Enfin, la première des libertés, c'est justement de donner la reconnaissance faciale pour que les individus les plus dangereux puissent être suivis 24 heures sur 24. Alors, vous avez vu ça? Oui, c'est ceux qui sont contre ça sont des vieux d'un autre temps, des lois de 1978, patati patata, comme si toutes les lois anciennes étaient forcément mauvaises et qu'il fallait les changer. Non, c'est qu'elles ne servent pas à certains intérêts. Donc, il y a une forme de militantisme pour les faire disparaître. Ces lois qui, elles, nous servent vraiment, nous, le petit peuple. En tout cas, la surveillance numérique avec reconnaissance faciale arrive dans notre pays. J'avais raison. Le petit Geoffrey de la chaîne Superflamme a plus d'un demi-million d'abonnés dans sa capsule dystopique Super French. French Dystopie, pardon. Avions raison, Philippe Pascot aussi, etc., etc. Et nous allons être de plus en plus nombreux, il y a le petit aussi Arcrix sur TikTok, etc. Nous sommes de plus en plus nombreux à vous dire les choses. Il serait temps d'arrêter de vous cacher derrière votre petit doigt. On vous voit quand même. Allez, partage, merci à ceux qui s'abonnent et à très bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne des vidéos d'Alix.